À peine le pied dans l'eau, un poisson étrange et recouvert de piques me fonce dessus. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. J'entends une étrange musique au loin. À mesure que je me rapproche, mon cœur bat de plus en plus fort. L'excitation m'envahit. Bonjour ? Y'a quelqu'un ? Ouais ? Il n'y a personne. C'est une boutique automatique. Comme vous pouvez le deviner, je suis un peu déçu, mais... c'est un bon début. Ce magasin est la preuve que je ne suis pas seul et que quelqu'un se cache quelque part. Pas forcément sur cette île, mais sur une autre. Je dois en avoir le cœur net. Cette île sera passée au peigne fin. Il ne se passera absolument rien d'intéressant lors des prochains jours. Ma seule activité et occupation sera d'agrandir et améliorer mon radeau, pillant les quelques îles sur mon chemin. Certaines îles sont vraiment impressionnantes, je dois l'avouer. Les ressources sont abondantes, mais le danger l'est tout autant. Après de longues recherches et gravi une montagne interminable, je ne trouve personne. Pourtant, tout me pousse à croire qu'il y avait quelqu'un ici il n'y a pas si longtemps de ça. Se serait-il enfui? L'a-t-on secouru? Les questions s'accumulent. Ces îles m'ont fourni une importante réserve de bois. J'envisage la construction d'un premier étage. J'en ai marre d'avoir les pieds dans l'eau toute la journée. Mon radeau est enfin fortifié. Le requin ne peut maintenant plus m'attaquer. Un problème en moins dont je n'ai plus à me soucier. Une idée m'est venue. Si les poissons jaunes explosent à mon contact, est-il possible de les tuer et de les récolter avant qu'ils n'explosent? Je dois essayer. Je me construis un arc rudimentaire en plastique. Oui, ça marche! Grâce à ça, je vais pouvoir me fabriquer un canon pour capturer des animaux. Malheureusement, je ne suis pas un bon tireur. Je n'ai qu'une munition. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Et ben voilà, mon premier animal. Et ma joie va vite s'arrêter. J'ai relâché mon attention quelques secondes pour ramasser un ananas et il en a profité pour me filer entre les doigts. C'est dommage, on aurait pu vivre de grandes aventures ensemble. J'en croiserai d'autres, j'en suis convaincu. Je prépare mon futur poste de contrôle. Une antenne dans chaque coin devrait suffire pour capter les signaux radio. Je commence à avoir des envies de luxe sur mon radeau de luxe. J'envisage de me faire de la bonne cuisine. Je ne suis pas cuisinier, mais ça ne devrait pas être trop dur, je pense.
J'ai quand même du mal à me rendre compte que ça fait déjà 26 jours que je vis sur ce radeau. C'est difficile de trouver des choses à dire quand les journées se répètent en boucle. Mais aujourd'hui est un jour différent des autres, car je peux enfin construire un récepteur. J'ai un problème de réception. Ici aussi ça capte pas. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà qui est mieux, en plein milieu du radeau. Alors voyons voir. Je dois essayer de comprendre. Les points verts sont visiblement des îles comme celle ici présente, avec un centre d'échange. Mais alors, à quoi correspond le point bleu? Je vais devoir mener mon enquête. Mais d'abord, j'ai l'occasion de capturer un animal et je ne vais pas passer à côté. Une mission accomplie. Dites bonjour à Ben. Bon, j'avoue, son enclos est ridicule. Mais je manque d'espace pour le moment. Je promets d'en faire un meilleur quand le radeau sera plus grand.